Go!
Ginny! Ginny, je t'en prie, réveille-toi! Elle ne se réveillera pas. Tom! Tom, je te sors! Ce qui lui reste de vie ne tient qu'à un fil. La petite Ginny a écrit dans mon journal pendant des mois. Elle m'a ouvert son âme. J'ai senti grandir en moi un pouvoir. Un pouvoir suffisant pour déverser un peu de mon âme dans la sienne. Qu'est-ce que ça signifie ? Ginny Wesley a ouvert la chambre des secrets comme je l'ai fait il y a bien longtemps. Avant que je ne devienne Lord Voldemort. Non ! C'est moi, Harry. Ginny m'a tout raconté sur toi. J'ai bien peur que tes tours de magie de deuxième année soient inutiles face à la puissance du plus grand sorcier du monde. Le plus grand sorcier du monde est Albus Dumbledore. Dumbledore est parti. Maintenant, je vais te donner une bonne leçon. Un petit duel entre Tom Jeu du Sort, l'héritier de Serpentard, et le célèbre Harry Potter. C'est un phénix. Fume sec. Une épée. Qui vient de Dumbledore. Il avait sans doute peur de venir lui-même. Enfin, ce n'est pas ça qui va te sauver, Potter. Parle-moi, Serpentard, le plus grand des quatre de Poudlard. Thank you.
Harry, oh Harry, j'essayais de te le dire. C'était moi, Harry. Mais je ne voulais pas faire ça. C'est Jeu du sort qui m'a obligée. C'est fini, Ginny. Jeu du sort n'existe plus. Allez, viens, sortons d'ici. Bonjour, Harry. Professeur Dumbledore, je croyais que vous aviez été suspendu. Lucius Malfoy avait menacé les membres du conseil d'administration pour qu'ils approuvent ma suspension. Mais ils ont décidé de lui tenir tête. Maintenant que l'héritier et le basilic sont morts, ils savent que Hagrid est lui aussi innocent. Il ne devrait pas tarder à retrouver sa cabane. Et Lucius Malfoy, il ne va plus poser de problème? Ça m'étonnerait. Nous pouvons supposer que c'est lui qui a donné le journal à Ginny. Mais il n'oserait jamais recommencer, de peur que le ministère de la magie ne s'attaque à lui. À propos du professeur Lockhart, j'ai peur qu'il ait perdu la mémoire. Oh non. À quoi va-t-il penser, maintenant qu'il ne peut plus penser à lui-même? En tout cas, ne donnez pas son poste au professeur Rogue. Il est trop... important comme professeur de potions. Vous vous êtes tous très bien débrouillés. Ça a dû être une expérience terrible. C'est vrai, on a passé beaucoup trop de temps dans les toilettes des filles. C'était horrible d'être pétrifiée. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Je vais écrire un article là-dessus. Quand on a des amis à ses côtés, on peut faire n'importe quoi. Et rien n'est trop difficile. Enfin, presque rien. Ressembler à Goyle n'en était pas loin. Il y a un banquet qui vous attend en bas. À quoi voulez-vous trinquer ? À l'amitié ! La loyauté ? Et au courage ! Mais surtout à l'amitié ! La fin du dernier trimestre se déroula sous un soleil resplendissant. Poudlard avait retrouvé sa vie normale. À quelques jours, le cours de défense contre les forces du mal avait été supprimé. Et Lucius Malfoy avait été renvoyé du conseil d'administration. Dragoo ne se pavanait plus dans le château avec des amours de propriétaire. Il semblait au contraire sombre et amer. Ginny, en revanche, avait retrouvé toute sa joie de vivre. C'est notre dernier jour de l'année à Poudlard. Oui, il ne reste plus que la cérémonie de la coupe des quatre maisons dans la grande salle. Si tu veux faire quelque chose à Poudlard, mieux vaut le faire avant la cérémonie de la Coupe des Quatre.